Bonjour, monsieur Porter, que puis-je pour vous? Venez vite, mon robot serveur tout neuf a disjoncté. Il a la folie du nettoyage. Nettoyer, nettoyer. J'ai peur qu'il provoque un accident. Ne vous inquiétez pas, monsieur Porter. Aucun robot n'est trop détraqué, car mes amis, ils assurent. Nettoyer, nettoyer. Oh, quelle pagaille! Chase, aide les conducteurs à sortir de cet embouteillage avec tes cônes et ton mégaphone. Cône! Écoutez-moi tous, vous allez me suivre, s'il vous plaît. Rocky trace de nouvelles lignes et pose des panneaux pour orienter les conducteurs. Pince! Bonjour, Madame Goodway. Oh, à l'aide, Ryder! Nettoyez, nettoyez. Oh, c'est le robot de Monsieur Porter. Il veut absolument prendre mon assiette souvenir. J'ai peur qu'il la casse. On arrive tout de suite. Wow! Alors c'est ça qu'il faisait avec toutes les assiettes. Il va falloir les récupérer. Mais d'abord, il faut trouver comment arrêter ce robot. Hein? J'ai une idée. Le robot serveur veut nettoyer des choses. Donc si tu es tout sale, le robot voudra te nettoyer. Qu'est-ce que tu en dis, Rocky? Pour un sauvetage, je suis prêt à tout. J'espère vraiment que ça va marcher. Nettoyer, nettoyer. Ça a marché. Tournevis. Bravo, Rocky. Maintenant, rapportons ces assiettes à leur propriétaire. Merci, la patte patrouille. Vous avez récupéré mon assiette et je dois dire que le timing est parfait. Juste à temps pour le déjeuner. Les amis, on doit aider Travis à remonter dans sa nacelle et réparer la fuite de son ballon. Allez! Alors pour cette mission, j'ai besoin de Ruben. Ruben, mets toujours la garde. Et de Rocky. Ruff, réparer, c'est mon domaine. Ruben, Rocky, go, go, go! La voilà! L'île de Bill le Grand Pélican! Non, Travis, attendez! Bizarre, ce rocher ne semble pas très rocheux. Je trouve que ça ressemble à des plumes. Oh, 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 oh. Accrochez-vous bien, Travis! Ryder et les autres ne vont plus tarder! Répare vite ce trou dans la toile, Rocky. Ruff, pistolet à colle. On va appliquer de la colle à séchage rapide. Maintenant, utilise ton aspirateur pour remplir le ballon d'air chaud. Ruff, aspirateur. Préparez-vous, Travis. Vous allez sauter sur mon hoverboard et bien vous tenir. Peut-être qu'il faut d'abord que le grand Bill se calme. Les pélicans adorent le calamar séché. C'était moins une. Surtout, lâchez pas, Travis. Je vous ramène dans votre montgolfière. Et voilà. Encore une aventure de Travis, l'explorateur couronné de succès. Et c'est ainsi que j'ai trouvé un peu par accident l'île légendaire de Bill le Grand Pélican. Avec l'aide de la patte patrouille. Ravi de vous avoir aidé, Travis. Si vous atterrissez sur un oiseau géant, il suffit de nous appeler. Bonjour, fermier Hal. C'est le grand jour, vous devez être impatient. Je l'étais, jusqu'à ce que quelqu'un ou quelque chose ne prenne la fuite avec ma pomme de terre arc-en-ciel et sème la pagaille dans mon potager. Ça tombe très mal. Le spécialiste des légumes extraordinaires envoyé par l'encyclopédie va arriver dans quelques... Oh! Que se passe-t-il? Il est en avance. Mon instinct potager me dit que la journée s'annonce riche en découvertes extraordinaires. Ne vous inquiétez pas, on s'occupe de tout. Aucune pomme de terre n'est introuvable car mes amis, ils assurent. Toujours la garde. Agent Chase est sur le coup. Il me semble que ça tient bien, Ruben. Maintenant, rebouche le trou. Alors, Chase, tu as une piste? Peut-être, oui. Regarde, j'ai trouvé des empreintes d'animaux. Utilise ton drone pour essayer de repérer à qui ces traces appartiennent. Et si c'est lui qui a pris la pomme de terre arc-en-ciel. Ouf, drone. Vite, suivons-le. Ils ont l'air de bien s'amuser. Comment on va récupérer la pomme de terre? On va faire diversion. Sers-toi de ton lance-balle pour leur envoyer de vraies balles rebondissantes. Ouf, lance-balle.
Ça a marché! Maintenant, direction la ferme! Ah, vous aussi, vous venez voir la pomme de terre arc-en-ciel? Oui. Dites donc, vous commencez à attirer les curieux qui veulent admirer votre légume extraordinaire. Alors, où est-elle? Je n'en peux plus l'attendre. Eh bien, pour être totalement honnête, elle est... juste ici. Ça alors, c'est une merveille. En ma qualité de spécialiste, je déclare que la pomme de terre arc-en-ciel du fermier Hall fait partie des plus beaux trésors du monde végétal. Bonjour Everest, ça va? Monsieur Wingnut a installé un système de maison intelligente dans le chalet d'oncle Otis, mais ils se sont enfermés à l'intérieur tous les deux. C'est pas normal, on arrive tout de suite. Aucune maison n'est trop intelligente car mes amis, ils assurent. Youpi, ils arrivent. Marcus, déploie ton échelle jusqu'à la fenêtre. Tout de suite. Ruff, ruff. Échelle. Vas-y Rocky, grimpe et entre dans le chalet. Première étape, grimper sur le toit. Deuxième étape, entrer. Merci oncle Otis. Waouh, il fait chaud ici. Où est le tableau de commande? Ici, mais il ne commande plus rien du tout. Je vais retirer le panneau pour chercher comment le désactiver. Ruff, tournevis. Attention, j'ai ajouté un mode anti-désactivation. Laisse-moi faire, je m'en occupe. Non, attendez. Mode vacances, activé. Waouh. Vite les amis, suivez tous le chalet. Il faut qu'on arrête ce chalet. Regardez. Everest, lance ton grappin pour ralentir sa course. Ouf, grappin. Accroché. Parfait. Maintenant, freine. Génial. Allez, tirez. Nous espérons que vous avez passé de bonnes vacances. En la modernisant, elle a failli se jeter du haut d'une falaise. Oh, ne vous en faites pas. La vérité, c'est qu'elle me convient très bien sans cette panoplie de pilules. Merci la Pat Patrouille de nous avoir sauvés, moi et ma maison sans technologie. De rien, oncle Otis. Si votre maison devient trop intelligente, il suffit de nous appeler. Pat Patrouille au complet est prête à l'action, chef. Merci d'avoir fait aussi vite. L'étal de fruits de Monsieur Porter a roulé jusque sur la route. Oh non! Donc il est coincé parmi les voitures. Quoi? En plein milieu de la circulation? Il faut l'aider, c'est extrêmement dangereux. Ça, tu l'as dit. Donc pour cette mission, j'ai besoin de Chase. Avec ton mégaphone et tes cônes de signalisation, tu vas dévier les voitures pendant qu'on aide Monsieur Porter. Chase est sur le coup. Et de Ruben. Tu vas remettre l'étal de fruits à sa place avec ton bulldozer. Ruben, mais toujours la gomme! Génial! La patte patrouille part en mission! Je suis là, Ryder! On arrive, Monsieur Porter! Chase? Je suis sur le coup! Cône de signalisation! Mégaphone! Merci de suivre les cônes et de tourner par ici! Ouf! Merci, Ryder. Ce n'est rien, Monsieur Porter. Tu es prêt, Ruben? Je suis prêt. Il vaut mieux que je ramasse ces pommes avant que les voitures ne les réduisent en compote. De la compote. Pas de patrouille au complet et paré à l'action, chef. Les chiens sauvages ont coincé le bus de Madame Goodway en haut de la spirale rocheuse. Ce qui veut dire que Madame le maire et les touristes sont bloqués dans le désert. À l'aide! Alors pour cette mission, je vais désigner... Chascadeur! Chatastique! Je suis prêt à démarrer sur les chapeaux de roue! Et Ruben! Ruben met toujours la gomme, même en moto! Parfait! La patte patrouille part en mission! Oh, Ryder! Je suis vraiment soulagée de te voir! On est là pour vous aider. Ruben, commence à dégager le chemin. Je m'y mets tout de suite. Miaou! Propulseur super vitesse. Oh, ah.
merde. J'ai toujours voulu marcher comme un funambule. J'ai pas besoin que des gentils chiens viennent à mon secours. Et surtout pas un chat. T'es mieux, ce serait moins dangereux de... Les chiens sauvages n'ont pas peur du danger. Chasse-cadeur, on doit reprendre le contrôle de ce bus. Ruben est en train d'essayer de dégager les rochers qui forment un mur tout en bas. Rétraction des griffes pinces. Adieu, ma jolie moto. Tiens-toi prêt. Vite, Ruben. Je viens d'avoir une idée. Un tremplin. Ruben a fabriqué un tremplin. Wow. Merci à vous, Ryder, Chasse-cadeur et la moto-patrouille. Vous nous avez sauvés. Si votre bus est volé par une bande de motards, il suffit de nous appeler. Ah. Regardez-moi, je suis un viking. Je vois plus rien. Mince alors, j'ai mis le bazar. Vous pouvez m'aider à ranger la mini-patrouille? Mais où est Mini-Tortue? Ça y est, je l'ai trouvé. Reviens, Mini-Tortue. Venez les amis. Elle file à toute vitesse. Je voudrais pas qu'elle se perde. La mini-patrouille part en mission. Je serais prêt à parier que Mini-Tortue est allée par là. Hein? C'est pas Mini-Tortue, c'est le bol du musée. Mais pourquoi il bouge? Oh, c'est une petite souris. Ça veut dire que Mini-Tortue est peut-être restée au musée. Oh. Mais comment y retourner? Alex! Alex! Oh, je ferais mieux d'appeler la patte patrouille. Tu vois quelque chose, Chase? Non, pas pour l'instant. Si tu allumes ta lampe, peut-être qu'Alex nous verra. Lampe torche. Alex! Alex! Oh, je crois que quelqu'un nous cherche. Ça doit être la patte patrouille. On est là! Chase, éclaire dans cette direction. Oh, ils ne nous ont pas vus. Mais je crois que j'ai une idée. Oh, et on est là! Ça doit être... Alex! On les a retrouvés! Allons les voir! Je n'aurais pas dû partir sans prévenir, désolé. Je sortirai plus jamais seule en pleine nuit, je vous le promets, plus jamais! Super patrouille au complet et prête pour une super opération, chef! Merci d'être venue aussi vite, la super patrouille! Apparemment, les chatons de Monsieur Hellinger ont des super pouvoirs! Ils en profitent pour semer le chaos dans toute la Grande Vallée! Il va falloir faire appel à vos incroyables pouvoirs pour les arrêter! Super Chase, rattrape le chaton qui a volé le thon grâce à ton super bolide et ta vitesse supersonique! Récupère le thon et ramène-le à Monsieur Porter avec ton super filet! Super Stella, grâce à ton avion Tornade, tu vas ramener la cargaison de poissons du Capitaine Turbo! Et Super Ruben, à l'aide de ta force et de ton super treuil, tu vas remettre le bateau du Capitaine Turbo à flot. La super patrouille part en mission. Hé, petit chat, rends les boîtes de thon. Tu es peut-être aussi rapide que moi, mais tu n'as pas de super filet. J'arriverai jamais à faire bouger ce bateau, il est bien trop gros. Attendez, Capitaine Turbo, je vais le pousser jusqu'à l'eau. Merci pour le super coup de pouce, Super Ruben. Tu as repéré le poisson du Capitaine Turbo, Stella? Non, pas encore. Par contre, je viens de voir les vachettes du fermier. Elles arrivent au niveau du carrefour. Ruben, direction le carrefour. Il faut arrêter ce super chaton. Compris. Repose ces vaches immédiatement. Je vais devoir utiliser le pouvoir de mes pattes magiques alors. Ryder, ça y est, je vois les poissons du Capitaine Turbo. À moi de jouer. Je les ai. Bravo, ramène le seau de poisson à Lalimande. Nous on s'occupe des boîtes de thon et des vaches. Beau travail, Super Patrouille. Patte Patrouille au complet, parée à l'action, chef. Une ruche s'est cassée et le bourdonnement a fait fuir les éléphants loin de leur point d'eau. Alors pour cette mission, j'ai besoin de
Stella. Tu vas chercher les éléphants et t'assurer qu'ils n'ont pas d'ennui. Prête pour un petit tour dans les airs. Parfait. La patte patrouille part en mission. Ryder à Stella, il y a du nouveau? Oui, je les vois. Non, mais jolie, n'entrez pas dans le temple. Ryder, les éléphants sont entrés à l'intérieur. On se retrouve tous au temple dès que possible. Jayce et Tracker, entrez dans le temple et guidez les éléphants vers la sortie. On y va, Ryder. Oh non, le tunnel est bouché. On arrive bientôt, Tracker. Ruben, Marcus, préparez-vous au lancement. On va aider les éléphants à sortir de là. Tracker, accroche ton filin à la dalle de pierre et au crochet de remorquage du pas de patrouilleur. Reçu 5 sur 5, Ryder. Ouf, filin d'acier. Maintenant, il va falloir faire monter nos trois amis sur la dalle. Marcus, arrose la pente avec ton canon à eau. Chien robot, enclenche la marche arrière et fais reculer le pas de patrouilleur. On a eu chaud, les amis. Merci pour votre aide, la patte patrouille. Aucun problème. Si tu dois déplacer un animal grand ou petit, il suffit de nous appeler. Et maintenant, éloignez-vous. Il est temps pour moi d'essayer mon turbo pantalon. Oh, victoire! Un jus de pomme, s'il vous plaît. Non, non, c'est mon jus. Lâche-le. Oh, 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 que se passe-t-il? Oh, oh, oh. Oh, d'où viennent ces bruits étranges? À l'aide! Mon pantalon ne s'arrête plus! Monsieur Ellinger, un pantalon? Je ne sais pas ce qui se passe, mais il a besoin d'aide. J'appelle la patte patrouille. Je n'arrive pas à arrêter mon pantalon! Stella, suis monsieur le maire! Entendu, je ne le quitterai pas des yeux! Je vois son pantalon en métal qui brille! En métal? Je viens d'avoir une idée! Ruben, j'ai besoin de toi et de ton électro-aimant pour arrêter monsieur le maire! Pas de panique! Au secours! À l'aide! Il fonce droit vers le bord de la falaise! À l'aide! Je tombe au secours! Aidez-moi! Vous pouvez ouvrir les yeux, vous êtes sauvés! Hein? J'en ai assez de ce pantalon! Laissez-moi redescendre! Oh. Ah. Ah. Tout va bien, monsieur Ellinger? Oh. Oh, oui! Oh, merci de m'avoir libéré de cet horrible turbo-pantalon! Si votre pantalon n'en fait qu'à sa tête, il suffit de nous appeler! Pas de patrouille au complet et paré à l'action, chef! Quelque chose de très étrange est en train de se produire à la fête de Madame Goodway. Ses invités semblent flotter dans des bulles. Nous devons à tout prix les aider à regagner la terre ferme. Alors pour cette mission, j'ai besoin de l'agent Chase. L'agent Chase est sur le coup. J'ai aussi besoin de Marcus. Je suis tout feu, tout flamme. Super! La patte patrouille part en mission. Oh, regarde! C'est notre ami l'éteint. Bonsoir, Madame Goodway. Ryder, heureusement que tu es venue. Tous mes invités sont en train de s'envoler. Je ne peux pas leur servir à boire. Je vais aider Alex. Échelle. Canon à eau. Regardez, c'est la bulle de Cathy et Callie. Oui, je m'en occupe. Semelle ventouse. Tyrolienne.
tout de suite. Non, attends. Stop. Tu te souviens de nous? On est tes amis. Tu n'as rien à craindre. Tu ne nous reconnais pas parce qu'on porte des accessoires pour la soirée fluo. Pépette. Super soirée, Madame Goodway. Merci à vous, la Pâte Patrouille, d'avoir sauvé ma fête, ainsi que les invités fluorescents. À votre service. Et si jamais vos invités s'envolent, il suffit de nous appeler. J'espère que vous êtes bien cachés parce que j'arrive. Vous, vu Stella. Personne par là. Oh, vous êtes bien cachés, dites donc. Désolé, Gabi. Mes petits agneaux, je vous sers à dîner juste après. Il est temps que j'aille remplir mon seau. Je viens d'arracher le toit de mon silo. Maintenant, mon maïs est à la portée de ces oiseaux affamés. Pas touche à mon maïs! Oh, les oiseaux appellent leurs copains. Je ferais mieux d'appeler la Pâte Patrouille. Oh non! Oh, encore un épi de brun. Oh. Pâte Patrouille, vous arrivez juste à temps pour arrêter ce va-et-vient de corbeaux. Je vais enfin pouvoir réparer ce toit de silo avant qu'on ne le remette là-haut. Chase, va faire un petit coucou à ces chapardeurs avec ton mégaphone. Mégaphone! Allez, Oust, du vent! Laissez ce silo tranquille! Ça va aussi pour toi, la mouette! Super travail, Chase! Continue comme ça! Merci, Ryder! On est synchro, la Pâte Patrouille! J'ai réparé le toit et il est prêt à être reposé là-haut! À toi, Stella! Tu vas pouvoir hisser le toit au sommet du silo! Prochain arrêt, le toit du silo! Et un toit pour le silo! Oh, génial! Super, bravo! Merci, la Pâte Patrouille! Je vais enfin pouvoir finir de stocker mon maïs dans le silo! Et si votre silo repère son toit, n'hésitez pas à nous appeler! Eh, qui veut du maïs pour le dîner? J'en ai des tonnes! Super Patrouille au complet est prête pour une super opération, chef! Tant mieux, les amis, car cette fois-ci, nous avons affaire à une mission hors du commun. Quelqu'un a transformé le phare en vaisseau spatial et l'a fait décoller. Ce n'est pas tout. Le capitaine Turbo est à l'intérieur. Nous devons arrêter la fusée et aider le capitaine Turbo à en sortir. Super Stella! Le phare est en train de filer à toute vitesse. À l'aide de ta super tornade, tu feras pencher la fusée sur le côté et de toi, Super Ruben. Tu utiliseras ta force prodigieuse pour rendre notre super faisceau encore plus puissant. Nous devons à tout prix faire redescendre ce phare volant. La super patrouille part en mission. Entendu, Ryder. La fusée n'ira plus dans l'espace maintenant. Et voilà. Excellent travail, les amis. Je sais pas si je vais pouvoir tenir très longtemps. J'essaye. Zuma, Rocky, grimpez dans vos véhicules volants et rejoignez-nous sur l'eau. Rocky, Zuma, déployez la puissance maximale. Je vois tout ce qui se trouve au fond de l'océan. Oh, ça y est, j'ai trouvé le phare. Zuma, arrête-le tout de suite. Attention, nous allons écraser cette pauvre bête. Et voilà le travail. Oh, moi aussi, je suis ravi de te retrouver, François. Et merci de m'avoir sauvé et d'avoir sauvé mon phare, la Pâte Patrouille. Pâte Patrouille au complet et paré à l'action, chef. La piste de danse de Monsieur Wingnut flotte beaucoup trop. On doit aider les personnes prises au piège à redescendre. Comme on doit sauver plein de danseurs et que la piste est immense, j'ai besoin de l'équipe au grand complet. Entendu. C'est parti. Compte sur nous. Super. La Pâte Patrouille part en mission. On doit maintenir la piste en équilibre, les amis. Tenez bon. On va vous sauver.
Les amis, rassurez-vous, moi aussi je suis capable de mener la danse. Oh, je parlais pas de cette danse-là. Comme je suis sûr d'avoir gagné, je peux me décerner le trophée du concours. Désolé, mais le trophée ne sera remis au vainqueur qu'à la fin du concert, monsieur Ellinger. Mais vous avez votre emploi du temps et moi j'ai le mien. Oh, oh, oh. Ah, je crois que c'est réparé. Oh wow, Ryder, que se passe-t-il? La radiocommande a réactivé les propulseurs. Mais maintenant, on fonce vers la mer. Chien robot, mets-toi au-dessus de la piste et envoie-nous les crochets. Les amis, insérez les crochets dans les piliers. Vas-y, éteins les propulseurs, Rocky. Bien reçu. Et voilà. Youpi. J'ai l'honneur de décerner le trophée à la Patte Patrouille. Ils ont exécuté la meilleure chorégraphie de toute la soirée. Merci de nous avoir sauvés. Y a pas de quoi. Si jamais votre piste de danse se met à danser, il suffit de nous appeler. Patte Patrouille au complet et parée à l'action, chef. Merci d'avoir fait aussi vite, les amis. Les tartes de Monsieur Porter ont été emportées dans un tourbillon. Oh oh. Et maintenant, ce tartouragan envoie des tartes à travers toute la ville. Chase, avec ton mégaphone, tu vas éloigner les gens de la trajectoire du tourbillon. Rocky, avec tes outils, tu vas réparer tout ce qui aura été cassé. Marcus, tu vas nettoyer tout ce qui aura été sali par les tartes à l'aide de tes canons à eau. La Patte Patrouille part en mission! Et voilà, ça brille de mille feux. Ça te plaît, Cali? Va vite te mettre à l'abri, Cathy. C'est pas vrai! Quelle pagaille! Ryder, le tartouragan a dévasté le magasin de Cathy et son panneau est cassé. On arrive. Marcus, aide Rocky à monter sur le toit. Échelle! Canon à eau. Oups, désolé Rocky. Il n'y avait pas de tarte sur moi. Ryder, de là-haut je vois le tartouragan. Allons-y les amis. Tant que les tartes resteront dans le tourbillon, il continuera à tourbillonner. Stella, Ruben, j'ai besoin de vous. Prête à récupérer les tartes. Ruben, mets toujours la gomme. Stella, soulève Ruben avec ton crochet. Maintenant, vole au-dessus du tartouragan et place Ruben à l'intérieur. Une fois à l'intérieur, expulse les tartes avec ta pelle. Mini pelle. Revers, coup droit. Tu as réussi, Ruben. Ouais. Une tarte au calamar. Merci pour votre aide, la Patte Patrouille. Au complet et paré à l'action, chef. Merci d'avoir fait aussi vite, les amis. Quelqu'un a pris tous les pots du délicieux miel de Madame Yumi et a emporté sa ruche. La ruche entière? Oh, c'est trop triste, ça me donne le bourdon. La personne qui a pris le miel a aussi cassé une barrière, alors les animaux de Madame Yumi se sont échappés. Alors pour cette mission, j'ai besoin de l'agent Chase. Tu utiliseras ton matériel de vision nocturne et ton drone pour retrouver le miel et la ruche. Et aussi de Rocky. Il faudra que tu répares l'enclos pendant qu'on rassemble tous les animaux. La Patte Patrouille part en mission. Réparons la barrière pendant que Chase rassemble les animaux. Parfait, j'ai justement quelques planches de bois. Mégaphone. Ouh, par ici les petits cochons. Allez, tu viens, Madame la Vache. Beau travail, les amis. Maintenant, partons à la recherche du miel et de la ruche. Les abeilles se sont installées dans mon repère. Les abeilles ont l'air de beaucoup aimer la fleur qui est sur le chapeau. Elles collectent du nectar. C'est grâce à ça qu'elles fabriquent le miel. Je sais qui appeler. Coucou, Ryder. Je peux t'aider? Oui, tu vas faire sortir les abeilles du repère de Monsieur Ellinger. D'accord. Prête pour un petit tour dans les airs. Les abeilles. J'ai une belle fleur pleine de nectar. Rien que... Maintenant, reconduis-les chez Madame Yumi. Reçu 5 sur 5.
du miel dans la ruche. Miam! Merci d'avoir retrouvé mon miel, ma ruche et bien sûr mes abeilles. Si vous avez besoin d'aide, faites bzzz pour nous appeler. Pat Patrouille au complet et paré à l'action, chef! Victoire Victorieuse s'est garée dans le marais pour trouver une grenouille. Et maintenant, son véhicule, sa remorque et sa ponette sont en train de s'enfoncer dans la boue. Alors, pour cette mission, je vais avoir besoin de Ruben. Ruben met toujours la garde. Et de toi, Chase. Chase est sur le coup. Super! La Pat Patrouille part en mission. On a réussi! Oui, youpi! Bien joué! Maintenant, rattachons la remorque pour que Madame Victorieuse puisse rejoindre le concours. N'aie pas peur, ma grande! Tiens-moi ça! Je vais sauver ma ponette adorée de cette affreuse boue toute gluante! Vas-y, voltigeur! Je ne t'ai jamais dit que je voulais faire un bain de boue! Zuma, rejoins-nous vite au marais! Entendu, Ryder! Prêt à plonger dans l'action! Cette fenêtre ne va pas tenir longtemps sur ce tronc! Non, c'est pour ça qu'on doit l'arrêter à tout prix! Utilisons ces rondins de bois! Tu as vu ça, Voltigette? On t'a fabriqué un radeau! T'as été incroyable, Zuma! Merci, Ruben! Voltigette, tu es saine et sauve! Je vous remercie infiniment! Les héros à pattes? Non, non, l'équipe à fourrure! Non, plutôt le... La Patte Patrouille! C'est vrai, je l'avais sur le bout de la langue! À votre service! Si jamais votre ponette s'enfuit, il suffit de nous appeler! Patrouille au complet et paré à l'action, chef. Ryder? Ryder? Je suis sur le quad avec Alex, alors la préparation de la mission va être différente. On va super vite! Les freins de mon quad sont endommagés, donc on a besoin de votre aide pour s'arrêter. Mais avant d'arrêter le quad, vous allez devoir faire descendre Alex et en toute sécurité. Alors pour cette mission, j'ai besoin de Stella. Ruff, prête pour un petit tour dans les airs. La Patte Patrouille part en mission! Ryder, je ne peux pas évacuer Alex pour l'instant. C'est trop risqué à cause des arbres. Qu'est-ce qu'on va faire? Et si on se retrouvait dans les airs? Je te tiens! Oh, cette balade était géniale! On doit attraper Ryder. Chien robot, on passe à la vitesse maximale. Désolé les amis, à cause de la vitesse, je n'arrive pas à rouler droit. Il faut trouver un moyen de ralentir le quad. Chase, tu peux lancer un parachute prêt? Excellente idée, Ryder. Je m'en occupe. Je peux pas m'approcher plus. J'aurai qu'un essai. Je vise... Maintenant! Ouf! Parachute frein! Bien visé, Chase! C'est bon, ça marche! Le quad ralentit! Merci, vous êtes vraiment de bons amis. Ce n'est pas tous les jours que ma propre équipe vient à mon secours. Si tu es sur un quad équipé de mini-fusées qui filent à toute allure et que tu n'arrives pas à t'arrêter, il suffit de nous appeler! Cette mission est assez insolite. On ne sait pas comment, mais les singes ont réussi à construire une cage et enfermer Carlos à l'intérieur. Au secours! Ça alors? Bizarre, comment les singes ont-ils pu construire une cage? Selon Tracker, ils ont dû trouver ces outils colorés dans la jungle. Alors pour cette mission, j'ai besoin de Rocky. Recycler, c'est bien joué! Et de Chase. Chase est sur le coup! Parfait! La Patte Patrouille part en mission! Reviens! Tu n'as pas besoin d'une clé à molette! Et toi, donne-moi ça! La Patte Patrouille! Je suis soulagée que vous soyez là! Content de pouvoir t'aider, Carlos. On va te faire sortir de là en un rien de temps. Rocky, commence à démonter la cage. Je m'en charge! Tournevis!
Merci, Rocky. Et à toi aussi. Il n'y a pas de quoi, c'est normal. Ryder, Carlos, vous avez vu Mandy? Non, pourquoi? Voilà pourquoi. Oh oh, c'est une roue du pas de patrouilleur. On doit récupérer ses outils avant que les singes ne causent d'autres dégâts. Mégaphone. Distribution de bananes. Venez vous régaler. Beau travail d'équipe. Merci, vous êtes vraiment des gentils chiens. Merci à toi, Ryder. Et merci à vous. Vous avez empêché ces petits singes de faire trop de bêtises. Si les singes sèment la zizanie dans toute la jungle, il suffit de nous appeler. Pas de patrouille au complet et paré à l'action, chef. Les chiens sauvages ont volé la machine à mini donuts de Monsieur Porter. On doit la récupérer et la réparer. Alors pour cette mission, je vais désigner Stella. Je suis parée au démarrage et au décollage. Et Rocky. La mécanique, c'est mon domaine. Parfait. La moto patrouille part en mission. Oh, on dirait que ça fonctionne. Oh, ils sont là, Ryder. Et la machine à mini donuts, c'est là aussi. Elle fabrique des méga donuts. Ouh là là, c'est un donut géant. Il fonce droit sur les chiens sauvages. Vous m'entendez? Est-ce que tout va bien? Ça pourrait être pire. Tu vois? On doit éteindre la machine, et vite! Mais comment? On ne peut entrer qu'en passant par ce petit trou au milieu. Il faudrait faire un saut drôlement impressionnant pour passer par là. Quelqu'un a demandé un saut impressionnant? Vous savez que c'est ma spécialité. Yow! Rocky, tremplin! C'est un plongeon dans l'action! Il a réussi! Bravo! On est toujours coincé ici et on ne sait pas comment sortir! Je crois que tes amis ont trouvé une solution. On est en train de creuser la sortie! Libre! Et voilà, Monsieur Porter! Votre machine à mini donuts peut reprendre du service! Wouhou! Si vous avez un mini ou un maxi problème, il suffit de nous appeler! Pâte à pizza, éjection! Je la fais tourner et je l'envoie! J'ajoute une couche de sauce tomate. Puis une bonne dose de fromage, mon cher. Il n'y a plus qu'à la faire cuire. Une pizza qui sort tout juste du four, chaud devant. Cette pizza a vraiment l'air délicieuse. Je pourrais attraper une part et la dévorer. Nous n'avons pas encore le droit d'y toucher. Le but est de former la plus haute tour de pizza au monde. Pour être en photo dans le livre des records. Regardez. Une tour de pizza. Je vais le décrocher, ce trophée, pas vrai, les chatons? Je meurs d'impatience. Le juge devrait arriver d'une minute à l'autre. Il sera époustouflé lorsqu'il verra notre tour de pizza. Désolé de vous interrompre, messieurs, dames. Je vous présente la plus haute et la plus belle tour de pizza au monde. Oh, moi qui croyais que nous allions gagner le trophée. Rien n'est encore perdu. Le prix sera forcément décerné à la Grande Vallée. Vous faites erreur, madame Goodway, car Foggy Bottom fera tout pour gagner. Votre attention, s'il vous plaît, la tour de pizza de la Grande Vallée. Bonjour la compagnie. Je crois que je suis coincé. Allons, c'est reparti. Ryder, vous devez à tout prix l'aider. J'aime pas ça. J'aime pas du tout ça. Stella, utilise ton harnais pour attraper le juge. Voilà un sauvetage aérien qui bat tous les records. Et voilà. Cette tour de pizza est officiellement la plus haute du monde, messieurs dames. Ouais. Une fois gonflés, les nouveaux ballons viendront ajouter la touche finale au festin. Oh. Oh, qui a renversé la nourriture? Regarde, Tata chérie, un dindon qui vole.
Quoi? Appelons vite, c'est la patte patrouille. Bonjour, Madame Goodwin. Ryder, Galinetta est catastrophée. Et le dindon gonflable s'est envolé. Envolé? Je le vois, mais il y a autre chose. C'est l'un des chatons de Monsieur Hellinger. On s'en occupe. Aucun dindon gonflable n'est trop haut, car mes amis, ils assurent. Ryder, je ne suis plus très loin du dindon. Parfait, nous on te suit depuis le sol. Ryder, je vois un anneau sur le dindon gonflable. Si je lance mon crochet, je peux le ramener au sol. Parfait, on va sauver le chaton, puis on s'occupera du dindon. Chase, déploie ton filet. Filet. Ryder, regarde. Ne lance pas ton crochet, Stella. Je vois d'autres petits chats à sauver. Il n'y a plus qu'à attraper le dindon gonflable. Crochet. J'ai eu. Beau travail, Stella. Maintenant, demi-tour. Il faut être à l'heure pour le dîner. Ryder, je tiens à te remercier pour le sauvetage de mes chatons. Aucun problème. Si vous êtes coincé à l'intérieur d'un gros dindon volant, il suffit de nous appeler. Patte patrouille au complet et paré à l'action, chef. Merci d'être venu si vite, les amis. Quand le bus est arrivé ce matin, Alex avait disparu. Oh non! C'est pas normal! Ne vous en faites pas, on va le retrouver. Pour cette mission, j'ai besoin de Stella. Avec tes jumelles et ton hélicoptère, tu chercheras Alex depuis les airs. Prête pour un petit tour dans les airs! Génial! La patte patrouille part en mission! Stella, tu aperçois Alex de là-haut? Alex et sa mini-patrouille sont à bord de la Limande qui a l'air totalement hors de contrôle. Oh non! Le capitaine Turbo, Lapino et Sourire sont tombés à l'eau! Je me mets en route. Zuma, rejoins-moi vite en aéroglisseur au large de l'île des phoques. Prêt à plonger dans l'action! Alex, prépare-toi à être secouru! Ouais! On est sûr! Je crois que je ne vais pas pouvoir tenir cette boîte hors de l'eau très longtemps. À moi de jouer. Bouée. Merci, Zuma. Tu as sauvé les animaux et les cupcakes d'un bain de mer imminent. Bienvenue à bord, Capitaine Turbo. Merci, Ryder, mais quelqu'un doit arrêter la Limande avant qu'elle ne s'échoue sur l'île des phoques. Fonce à la barre, Zuma. D'accord. Pour le grand saut que j'ai à faire maintenant. Pilotage automatique activé. C'est parti pour un petit tour en bateau. Changement de cap, on s'éloigne de l'île des phoques. Génial. Coucou grand-père, désolé de m'être éloigné sans te prévenir. Merci d'avoir secouru mes cupcakes et ma mini patrouille. Il n'y a pas de quoi, Alex. Si tu as besoin d'aide, il suffit de nous appeler. Patte patrouille au complet et paré à l'action, chef. Des phénomènes étranges se produisent au musée. Nous devons percer le mystère. Alors pour cette mission, j'ai besoin de Chase. Avec ta lampe torche, tu partiras à la recherche d'indices. Chase est sur le coup. Super! La patte patrouille part en mission. C'est vraiment le bazar ici. De l'eau? Comment c'est possible? Quelqu'un a dû appuyer sur l'interrupteur. Regardez! Les flaques d'eau mènent à ce scaphandre. C'est la pieuvre, elle s'enfuit en courant. Elle s'enfuit en roulant plutôt. Stop! Arrête-toi! Vite, suivons cette pieuvre. Oh, elle se dirige vers l'eau. Je m'en occupe. Ouf, filet. Je te tiens. Hourra! Vous avez sauvé notre ami qui allait nager de longues heures dans les profondeurs de l'océan. Ah, j'ai l'impression qu'elle veut justement aller dans l'eau. Notre acolyte a l'intention de retourner dans son habitat naturel. Très bonne idée, capitaine. Et je sais à qui faire appel pour cette mission. Voilà les rochers.
rocher pointu. Regarde, ma grande, on est presque arrivé. Visière. Bienvenue à la grande inauguration de notre exposition. Merci, la Patte Patrouille, car sans vous, on aurait été paralysés par la panique. Y a pas de quoi. Si une pieuvre doit être raccompagnée chez elle, il suffit de nous appeler. Une tempête approche à grande vitesse, Everest. Viens te mettre à l'abri. Oh non, le louveteau risque de se perdre dans la neige. Il faut que j'aille l'aider. N'aie pas peur, je vais te guider. Viens, on va chercher un endroit où s'abriter. Regarde, une grotte. Suis-moi. Parfait, on est à l'abri ici. On va attendre un peu que la tempête se calme. Oh oh, c'était pas prévu. Oh, ne t'inquiète pas, on va trouver un moyen de sortir. La neige s'est transformée en glace. Impossible de creuser un trou. J'ai une idée. Oup, grappin. Voilà qui est mieux. Viens, petit loup, c'est amusant. Tu ne veux pas m'aider? Quand il y a beaucoup à faire, les amis peuvent t'aider. Et en chantant un petit air, la 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 la. Oh, ça risque de prendre du temps. Oh, c'est la Patte Patrouille. Continue de creuser, petit loup. On va bientôt sortir d'ici. Vous nous avez trouvés. Content de te voir. Bravo. Chevalier au complet et paré à l'action, chef. Crow et son dragon volant se dirigent vers nous. Il faut à tout prix les empêcher d'entrer dans le château. Mais comment faire pour arrêter un dragon volant et cracheur de feu, Ryder? Vous utiliserez vos nouveaux véhicules de chevalier. Waouh, génial! Pour cette mission, j'ai besoin de Marcus. À l'aide de ta lance à eau, tu éteindras tous les incendies provoqués par le dragon. Ce chevalier du feu n'a pas froid aux yeux. Tenez-vous prêts, les chevaliers partent en mission. Et maintenant, c'est l'heure de brûler le pont-levis et d'attaquer le château. Monsieur le lanceur d'eau, arrête ça tout de suite. Hors de question. Je m'appelle Marcus, je te signale, et je suis un chevalier. Braise, envole-toi. Je ne sauterai pas tant que je n'aurai pas récupéré la dent. Braise, vole sur le dos. Chase, maintenant. Filet dragon. Je vais bien. Mais la dent de dragon magique est cassée. Marcus, c'est une bonne nouvelle, car Crow n'a plus aucun pouvoir sur le dragon. La preuve... Braise, attends, non! Au nom de Barkingberg, je vous remercie d'avoir sauvé notre royaume. N'oubliez pas, si un dragon devient trop dangereux, il suffit de nous appeler. Vous avez été d'une aide précieuse, les amis. On va tellement s'amuser demain à la fête des cow-boys, pas vrai? Je vous encouragerai. Yeah! Oh. Que se passe-t-il? Pourquoi mes cochons font-ils autant de bruit? C'est pas vrai! Elle est endormie! Je suis coincé! Oh, il faut que j'appelle la Patte Patrouille.
Merci beaucoup. Comment va votre pied? Il est recouvert de boue, mais tout va bien. Venez vite! Ruben, mets des bottes de foin à la place des tonneaux. Suivons-la! Chase! Elle fonce droit vers Oscar et Galinetta! Je suis sûr, Marco! Stella, nous avons besoin de toi et de ton hélico. Elle doit rester éloignée du bord jusqu'à ce que Stella arrive. Chase, grimpe jusqu'au sommet. Semez le ventouse. Madame Goodway, stop! Excusez-moi, aurais-je raté quelque chose? J'ai dormi comme un bébé. Bonjour Dani, ça va? Oh, c'est toi Alex? Où est Dani? Il est suspendu à un panneau, regarde! Wow! Tout ça c'est parce que les chatons de Monsieur Ellinger n'arrêtent pas de lancer des cadeaux pour la campagne électorale! Votez pour moi! Pas de panique, on arrive tout de suite. Aucune élection n'est en danger, car mes amis, ils assurent! Échelle! Vas-y, tu peux poser tes pieds. Je vais bien. Et toi, ça va? Ça va extrêmement bien. Posez pour moi. Monsieur Ellinger, vous ne pouvez pas jeter des objets partout. Arrêtez tout de suite. Oh, je n'arrêterai pas tant que je ne serai pas élu. On a besoin de ton hélicoptère pour un sauvetage. Prête pour un petit tour dans les airs. Ryder, il y a beaucoup trop de ballons. T'as qu'à dire à Monsieur Ellinger de relever ses canons et de viser les ballons. Monsieur Ellinger, tirez sur les ballons à l'aide de votre canon à t-shirt, vite! Je vous tiens. Oui, merci. Oh, mais où êtes-vous, les amis? Madame Goodway? Ryder, la situation est catastrophique. Quelqu'un a dérobé la clé de la ville. Madame le maire, je vous informe qu'un vol de tarte a eu lieu. Il y a eu un cambriolage à la plage. Idem au musée. Ryder, il faut retrouver les voleurs. Madame Goodway, les autres témoins et vous-même pourriez décrire leurs véhicules? Ils étaient exactement comme vos véhicules. Nous allons percer ce mystère. Aucune clé n'est trop perdue, car mes amis, ils assurent. Notre mission est d'identifier et de neutraliser le suspect. Ils ont dû prendre la clé de la ville pour ouvrir et se servir de nos véhicules pour tout voler. Donc le voleur de la clé doit forcément communiquer avec ceux qui conduisent nos véhicules. Nous pouvons peut-être les écouter. Ohé, appel à tous les pirates mobiles. Rejoignez-moi à mon repère secret en dehors de la ville. C'est Sid Laratis. Ah, suis-moi, il est encore temps de s'enfuir. Tu risques de nous ralentir, désolé. J'ai toujours la clé. La prochaine fois, j'arriverai enfin à piller tous les trésors de la Grande Vallée. Zuma, arrête-les. Mais on a toujours la clé. Où est passée la clé? La Grande Vallée vous remercie tous infiniment.
Il n'y a pas de quoi. Et n'oubliez pas, si un pirate essaie de vous cambrioler, il suffit de nous appeler. Attention, François, cette lentille de verre est parfaitement intacte et je voudrais qu'elle le reste. Oh, mais bien sûr! Et grâce à cette superbe lentille, la lumière de ton phare sera nettement plus étincelante. Et vise un peu la drôle de tête que ça me fait lorsque je regarde de travers. À qui je te fais penser? Allez, aide-moi à la charger. Dépêchons-nous de l'emmener sur l'île! Vite, vite, mets les gaz! Désolé, mais non. Je vais plutôt conduire doucement et prudemment pour ne pas abîmer ma lentille. Oula! Les troncs d'arbres sont en train de prendre feu! Je ferais mieux de ralentir! Le levier est coincé! Je ne peux plus freiner! Il me faut de l'air! On y est! On va éteindre ces troncs d'arbres! Mais il faut arrêter ce train avant! Bien vu, Marcus! Ruben, attrape le train avec ta pince! On va se servir de nos freins pour l'arrêter! C'est la première fois que j'attrape un train! Super! Tu le tiens? Je freine! Maintenant, on va les arroser! Rip! Voiture canon en haut! Super sauvetage, la patte patrouille! Pas de problème! Il n'y a pas... Patte patrouille des mers au complet et prête à l'action, commandant Ryder! Super! Parce qu'aujourd'hui, nous allons devoir remplir une mission qui sort un peu de l'ordinaire. On va emmener le patte patrouilleur des mers à la ferme de Monsieur Hall. Hein? La propriété de Monsieur Hall a été inondée la nuit dernière. Zuma, ton sous-marin va te permettre de chercher l'origine de l'inondation sur son terrain. Prêt à plonger dans l'action! Ça alors, si je m'attendais à voir une chose pareille... Chien robot, on doit repasser en mode aquatique. Zuma, trouve l'origine de l'inondation. Je m'en occupe sans tarder. Oh, j'ai l'impression d'être dans un film d'épouvante. Et Ryder, je vois un tuyau d'arrosage qui n'a pas été fermé. Bien reçu, Zuma. Suis le tuyau jusqu'à l'arrivée d'eau et coupe-la. J'aurais dû retirer le gros rocher qui bloque la bouche d'évacuation hier soir. Donc ce serait à cause de ça que l'eau ne s'écoule pas? À cause d'un rocher? On l'enlève tout de suite. Ruben, déplace le rocher avec ta pelle mécanique pour laisser l'eau s'écouler. Quand un chantier s'annonce énorme, Ruben met toujours la gorge. C'est un sacré rocher. Mais je vais le déplacer. Ça y est, Ryder. Maintenant, je te demande de remonter à la surface. Le tourbillon que va produire l'eau risque de t'entraîner. Compris. Marche arrière. Merci pour votre aide, la patte patrouille des mers. Vous avez sauvé ma ferme. Quand vous découvrez que votre ferme est inondée, il suffit de nous appeler. Dites, Monsieur Hall, j'aurais pas oublié de couper... Non. L'eau? Oups. Désolé. Ça arrive à n'importe qui de ne pas se souvenir de quelque chose. C'est trop génial de jouer à cache-cache dans la jungle. Oh, attendez, on n'a toujours pas trouvé Marcus. D'où est-ce là? Marcus, je t'ai trouvé. Tu n'es pas Marcus. Un pingouin? Dans la jungle, on voit pas des pingouins tous les jours. On dirait des peluches. Ouh, petit pingouin, où êtes-vous? Sortez de votre cachette. Tiens, que fait ce gros bloc de glace ici? Je parie que les pingouins sont arrivés sur cet iceberg. C'est très perspicace de votre part, chers amis de la patte patrouille. Capitaine Turbo! Ces pingouins sont bien loin de leur immense banc de glace. On ferait mieux d'appeler Ryder. Coucou Chase, quoi de neuf? Ryder, on a trouvé trois pingouins dans la jungle, mais ils ont disparu. Aucun pingouin n'est introuvable, car mes amis, ils assurent. Rocky, va demander du poisson au capitaine Turbo et ramène ta catapulte. Voici 5 sur 5, Ryder. Regardez, le capitaine Turbo m'a donné plein de poissons. Génial! Lance-les avec ta catapulte pour attirer les pingouins jusqu'au bateau du capitaine Turbo. Mira, pingüinos! C'est l'heure du repas. Merci de ramener ces pingouins chez eux, capitaine Turbo. J'ai assez de poissons pour les nourrir et je vais mettre de l'air frais dans la cale pour qu'ils soient à l'aise jusqu'à ce qu'on rejoigne le climat polaire.
Faire semblant de m'être cassé le gros orteil, c'est la meilleure idée de cette journée, non? On devrait m'appeler Monsieur Génica. Oh là, oh, oh, oh. Sur quel bouton faut-il appuyer? Ménard! Mademoiselle Marjorie à Ryder. Ne vous en faites pas, Mademoiselle Marjorie. Nous allons le sauver. Chase, place-toi plus loin sur le chemin et déploie ton filet pour arrêter le bolide. Filet! Oh non, pas ta substance qui empeste! Le filet n'a pas fonctionné. Le maire a changé de direction et fonce vers la rivière. Les amis, on se retrouve à la rivière. On doit porter secours à toute une ménagerie. Il faut construire un barrage sur la berge. Le putois, c'est lui qu'il faut enlever. Ménard, saute dans le camion. Celui-là, il sert à quoi? Zuma. Et Ménard, tu es un as du volant. Oh, enfin, je suis sur la terre ferme. Oh, danse de la joie, danse de la joie. Alors, il a été guéri en un temps record, votre orteil. Ryder, de tout cœur, merci d'avoir sauvé mon raton laveur adoré et d'avoir porté secours à Monsieur Ellinger. Oh, merci, la patte patrouille. Tout le plaisir est pour nous. Quel que soit votre problème, n'oubliez pas, la patte patrouille vous vient en aide. Oh, vous faites quoi, Monsieur Wingnut? C'est le TurboDisc 3000. Il s'agit d'un disque volant doté d'un moteur qui revient automatiquement vers la personne qui l'a lancé. Il devrait revenir vers moi, non? Oh, arrêtez ce TurboDisc! Que s'est-il passé? Je ferais mieux d'appeler la patte patrouille. Oh, vous tombez à pic, les amis. Nous allons vous aider, Monsieur Porter. Marcus? Échelle! C'était moi une. Merci beaucoup. Oh mince, j'ai oublié mon seau tout en haut. Ne vous en faites pas, je m'en occupe. Je vais bien. Soucoupe volante droit devant. Le turbodisque a emporté Cali. Quelle est la solution? Il suffit d'appeler l'expert en disque volant de la Grande Vallée. L'expert? Le chien robot. Attrape ce disque, chien robot. Chase, maintenant! Filet! Regardez, c'est ma bande dessinée préférée. J'adore Astro Chien. C'est très génial. Venez, on joue à Astro Chien. Ah, vous jouez à Astro Chien? Tu veux jouer? Bonjour, Madame Goodway. Est-ce que tout va bien? Non, pas du tout. Pas de patrouille au complet et pareil à l'action, chef. L'armure de Madame Goodway est sortie de l'avion de livraison. Et les morceaux se sont dispersés aux quatre coins de la ville. Mais c'est le cadeau qu'elle doit offrir à la princesse. C'est pour ça qu'on doit agir vite. Donc pour cette mission, j'ai besoin de Rocky. Ensuite, tu devras rassembler l'armure avec l'aide de ton camion de surcyclage. Recycler, c'est bien joué. Parfait. La patte patrouille part en mission. J'espère qu'on va réussir à la remettre en état. Oui, je l'espère aussi. Bonjour, Madame Goodway. Le train de la princesse arrive en gare. Je t'en prie, dis-moi que l'armure est prête. Voyez par vous-même. Je vous salue, Votre Majesté. Vous aussi, Monsieur le Comte. Nous avons un cadeau tout à fait unique pour la princesse.
Oh, je suis navré. Veuillez nous excuser pour le vacarme. Partout où nous allons, on nous offre une armure complète. On est là, Madame Goodway. Et on a la... Oh, Ryder ! Regarde, c'est amusant. Sais-tu que la princesse a un wagon entier rempli d'armures de chevaliers offertes lors de son voyage ? Waouh ! Ryder, je crois que j'ai une idée. On revient tout de suite. Ruben, on doit remettre l'armure dans mon camion de surcyclage. Oh, mais c'est Astrochien ! La princesse et moi adorons lire ses aventures. Oh, merci beaucoup, la patte patrouille. Si vous avez besoin d'un cadeau extraordinaire, il suffit de nous appeler.